La chiropratie, c'est vraiment une profession du futur parce qu'on va traiter les gens de façon naturelle. On va s'occuper de leur posture, de leur structure, de la nutrition. Donc, c'est important que c'est une profession assez importante pour la santé. Je m'y suis vue pas mal toute ma jeunesse être une chiropraticienne parce que mon père était chiropraticien. Donc, j'ai grandi dans l'atmosphère. Il y avait son cabinet dans notre maison au sous-sol. Ça fait que je le voyais traiter des patients tous les jours. Puis c'était bien facile pour moi de m'imaginer comme chiropraticien. Un certain montant de leadership parce que en plus de traiter des patients toute la journée, il faut aussi que tu mènes ta propre entreprise. Il faut que ça marche, il faut que tu engages des gens qui travaillent avec toi. En fin de compte, c'est toi qui gouverne un peu ton environnement dans ton bureau. Donc, il faut que tu sois capable de faire ces fonctions-là. Il faut que tu aies de la compassion pour tes patients, les personnes qui viennent te voir naturellement. Donc, il faut que tu aimes les gens, que tu, jusqu'à un certain degré, que tu puisses lire entre les lignes, que tu puisses comprendre un patient et ses besoins. Donc, ça te prend des qualités comme ça pour pouvoir avoir du succès en chiropratie.